Hey, bonsoir les amis, c'est FenGeek. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les fermes voisines saison 2. Donc on est déjà au troisième épisode, ça passe vite quand même. Ça passe très 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 vite. Là je vais enlever le son d'un des lives là, que j'ai bien sûr comme d'habitude. Hop, voilà. Donc comme j'ai dit, on se retrouve pour le troisième épisode. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a de prévu? On va avancer hein, dans la ferme, hein, on est encore au tout début, donc il y a pas mal de travaux à faire. Je pense qu'on a encore un peu d'achat, mais ça va être surtout là, de la préparation de champs, je pense qu'on va faire. Bonsoir à tous, salut Elodie, salut Shogun, salut Christophe, salut Madame Fred, comment allez-vous? Je pense que Christophe, tu t'es trompé, Fredo et Soso, c'est pas de mon côté. C'est Madame Fred, ouais. Ça doit être ça. Hop, tac, ça, je vous mets sur le côté pour être bien. Hop, je remets les deux lives. Voilà. Bon, alors, nous, on est parti. Donc, je suis pas tout seul hein, sur la série. On a Geoffrey et Jacques qui sont là. Alors, peut-être pas... Ouais, il y a Geoffrey qui est ici, Jacques qui doit être... Non, c'est Jacques qui est là. Jacques qui est là et Geoffrey qui doit être quelque part. Ah bah, il est là, en train de rouler, là, déjà, ok. Donc, voilà, nous, on est ici, donc on est assez éloignés d'eux, hein. Enfin, les deux, ils sont là, ils sont aussi éloignés aussi, mais bon, nous, on est plus éloignés, donc nos champs se résument à ça pour l'instant. Il nous reste 791 euros, donc de quoi rigoler un bon petit coup, quoi. Et voilà quoi, on avait quitté le live la dernière fois, on avait posé les moutons avec une jolie un joli terraforming de merde, mais bon, ça c'est pas trop grave hein. On va faire avec. Et on avait posé quelques poulets, il me semble qu'on les avait pas encore nourris, on va aller les nourrir. On va repasser le jour en 1, le temps 1. Tac. On va passer le temps 1. Voilà quand même. Hein, pour être sûr de pas tricher. On a notre benne. Elle est où notre benne? Ah oui, elle est là-bas de l'autre côté. C'est vrai. Elle est là-bas de l'autre côté. Alors, mon tracteur, il est dans les champs. On allait semer, il me semble. Alors, est-ce que j'avais mis la culture déjà? Ouais, je pense que j'allais ressemer du blé. Ah non, on va semer du sorgho, tiens. On va semer du sorgho. Voilà. Pour 4 mois de... 4 mois, ce sera très vite fait. Hop, je vais mettre la musique aussi, les amis. Comme ça, au moins, vous allez avoir un petit retour. De musique. Alors, c'est laquelle? Celle-là. Hop, on va mettre à peu près au milieu. Voilà. Hop, donc là ici ça va être notre parcelle de champ qui reste. Hein, ça suffira largement pour ce qu'on a à faire au niveau des poules déjà. Ensuite on verra. Vous avez enlevé la super force, c'est normal? Non, la super force il faut l'activer en fait à chaque fois, mais on va l'activer, il en faut au moins un qui l'active dans le jeu. Là. Ok. Là, moi je peux pas l'activer. C'est fait mon chef. Et bonjour à toi Jacques. Bonjour à tous, excusez-moi ouais. Hop. Bienvenue aux deux spectateurs. Bonjour à toi Jacques et Fendik. Salut Shogun.
J'ai mis la musique, hein, si tu veux la, l'écouter. Ouais, ok, je vais la récupérer. Hop. J'ai l'impression que je pose aussi de l'engrais sur le sol, le tas d'herbes que j'ai mis. Alors, l'objectif de la ferme. Là, on a posé les poulets, hein, parce qu'on est, on est parti 2-0, donc on n'a pas un avantage comme Geoffrey qui a pris la ferme, entre guillemets. Lui, il a déjà tous les animaux, enfin tous les enclos, plus des animaux dedans. Donc ça lui fait un petit avantage quand même. Mais bon, le prix de la ferme était quand même assez conséquent, hein, pour ne pas non plus nous foutre dans la merde, nous qui commençons à zéro. Après, comme j'ai dit, c'est pas une course. Bonsoir à tous, plus un like, GG pour tes 200 abonnés. Merci Jacques, merci de ton soutien. Je vais faire pareil. Moi, j'ai déjà mis le pouce de ton côté, mais je vais venir mettre un petit mot aussi. Histoire de dire qu'on est là, qu'on est présent. Alors on met du sorgho histoire d'avoir assez rapidement de la bouffe pour les poulets. Hein, là on n'en a pas mis des masses, hein, donc ça devrait être bon. Faudrait juste que de ce fait là je fasse un petit prêt pour dire d'au moins avoir une caisse à poules. Ça pourrait être intéressant. J'ai l'usine à chaud aussi à poser, etc. C'est pour ça que je vais peut-être commencer à faire des missions. Moi je vais voir avec la team. S'il y en a qui veulent faire des missions. Ou alors je vois pour encore augmenter un prêt et acheter une nouvelle parcelle histoire de pouvoir travailler encore dessus un petit peu. Alors,
Hop. Voilà, mes petits passages sur les lives des potos est fait. Direct. Comme ça, ça sera déjà fait. Best music in there. Bienvenue à tous sur ce live, ici on sème la joie, la bonne humeur, la politesse, le respect en arrivant sur le live. Merci, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Bon live. Merci Jacques pour le soutien et pour le message d'accueil, je vais tout de suite t'épingler. Merci à toi mon ami. Vla FHH, ça va FHH. Moi ça va super, ça va super. Comment allez-vous? Comment allez-vous FHH, DJ Bar. Salut Fengeek et toute l'équipe et le chat. Salut DJ, comment vas-tu mon petit DJ? Bonsoir mon Fengeek, plus un like. Merci Malilik. Comment ça va Malilik? Comment allez-vous? Bien, bien, bah nickel alors si vous allez bien. Pas trop dur la reprise de boulot. Ça va, merci et toi? Bah moi ça va, ça va. Ça va, y a pas de taf en ce moment, alors on fait que de la merde au boulot, mais ça va. Plus un pouce, merci FHH. Merci Farming au Savoyard. Savoyard, comme dirait notre cher ami... Shogun, haute chavoyarde. On aime bien le taquiner, mon petit Shogun. On aime bien le taquiner. Nickel et like en plus. Merci DJ. Merci DJ. Ça fait plaisir de votre soutien. Bah non, pas de reprise, staff, puisque je dois me faire opérer. Oui, ça j'avais compris ça. Ça je l'ai su sur ton live. Hein. On croise les doigts, hein, l'ami, on croise les doigts, on est de tout cœur avec toi, comme t'as pu voir sur le chat. Hein. T'as une belle communauté, Malilik, t'as une belle communauté. Vous n'êtes pas en vocal ensemble? Non, on n'est pas en vocal ensemble, parce que justement,
Il y a moi, Shogun et Jacques, JF Farmer qui streamons en même temps. Et on avait déjà fait ça sur la saison 1 des fermes voisines. Et c'était un brouhaha pas possible. Il y en avait un qui devait répondre à son chat, moi qui devait répondre à mon chat, Shogun qui devait répondre à son chat. Et au final, bah, comme Shogun c'est le plus calme de tous, bah, il se faisait bouffer, quoi, tu vois. Et il pouvait pas dire d'en placer une parce que tout le monde, entre Jacques et moi, on était tous les deux en train d'en placer une. Et moi j'ai vu ça, bah, je me suis dit, allez, maintenant on fait des lives séparés. On fait des lives séparés, comme ça au moins tout le monde est là. Tout le monde peut faire son live qu'il veut. Des, comme tu disais, des lives énergiques, des lives posés. Et comme ça, il n'y a pas de souci, on n'empiète pas sur le. Dis, Jacques. On n'empiète pas sur le sur les autres. Blé ou un truc comme ça aussi. Ben alors, tu as aimé ton accueil chez nous. J'ai super kiffé, Malili. J'ai super kiffé. J'ai hâte d'avoir un prochain rendez-vous avec vous, là. Comme tu disais, comme je t'ai dit, t'as une belle communauté et ça se voit au message que t'as reçu, message de soutien et tout. Et franchement, j'espère que cette communauté-là, elle se perdra pas, quoi. Tu vois, que tout le monde restera à fond derrière vous là, parce que tu le mérites, on le mérite tous, quoi. Donc voilà, plein de bisous, plein de force à toi. On s'abonne, on like et on partage. Tout à fait, Didier, si vous aimez bien le live, hein, surtout, j'ai pas envie d'avoir des abonnements forcés ou quoi que ce soit, mais il faut que vous aimez ce que vous voyez, quoi. Bravo, oui, c'est vrai pour notre Shogun. Bah ouais, il faut que notre Shogun il puisse être là. Ouais. On a beaucoup de chance. Ouais, c'est pas t'as beaucoup de chance, c'est juste que tu récoltes la communauté que tu mérites. Moi, c'est ce que je me dis. On récolte la communauté qu'on mérite. Si on est des gens intentionnés, qu'on est là pour soutenir, etc., tu vas avoir des gens intentionnés qui sont là pour te soutenir, etc. Ok. Il n'y a pas raison que ça s'arrête. Bah non, justement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, on va remettre le tracteur là parce que pour l'instant, j'ai rien à faire exactement. Hop. Bravo pour ton bel état d'esprit, je surkiffe encore plus ta chaîne. Merci, ça fait plaisir. Tu vois, il y a des moments, je sais que je suis le petit foufou de la... Hey, commencez pas à vous disputer, vous deux. Je suis le petit foufou de la team, mais des fois, je sais dire des trucs sensés, tu vois. Hein, j'ai un petit cœur derrière tout ça. Et non, mais franchement, voilà, c'est ce que j'ai envie, donc... C'est ce que j'ai envie que tout le monde ait, tu vois, qu'on aime ce qu'on fait. Il y en a qui vivent de ça, il y en a d'autres qui sont juste là pour dire de partager un peu leur état d'esprit et puis leur jeu qu'ils aiment. Hein, j'ai pas compris, mais bon, à mon avis, ça doit être sur Jacques. comme je disais, j'ai envie que tout le monde réussisse, en fait, comme toi. J'ai envie que tout le monde ait sa chance, qu'il n'y a pas de problème, etc. Quoi. Tu seras le bienvenu chez moi aussi, et Shogun aussi. Bah, DJ, il me semble avoir été mettre mon pouce sur un de tes lives. Après on verra, moi comme j'ai dit, j'ai profité du live à Lilik pour m'abonner à plein de chaînes. J'ai tous mis les notifications, mais après on a une vie derrière, donc même si on n'est pas là sur les lives, on met le petit pouce, au moins pour dire d'être présent. Si je peux, je mets un petit message. Après c'est vrai que si je regarde pas le live, j'aime pas mettre de message, tu vois. Parce que je vais pas mettre un message sur un truc que j'ai pas vu. Donc derrière, je peux... des fois, tu vas voir un message de moi. Peut-être deux ou trois, quatre jours après ton live. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de le regarder. Et que moi, j'aime bien mettre un pouce et un like. Et un message, surtout mettre un message quand j'ai vu le live. Parce que si je commence à faire, ouais, super live. J'ai adoré quand t'as été semé tel chant alors que t'as rien fait du tout. Tu vois, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien faire un message personnalisé, quoi. T'es quelqu'un d'admirable et responsable.
et respectable et vous êtes les bienvenus à l'occasion en multi. Ouais, bah franchement, ouais, nous ça nous dérangerait pas, Shogun, Jacques, moi, de faire du multi. D'ailleurs, nous on a une map en multi, hein, ouverte à tous, parce que c'est du multi console et PC, et c'est que des modes du mode hub. Comme ça, au moins, les gens, s'ils veulent rejoindre, on a juste à leur envoyer le lien du live, enfin, du serveur, le mot de passe, et ils se connectent. Bon, bien sûr, nous, avec nos petits moyens, c'est... Enfin, surtout, c'est Shogun qui a le serveur. Donc, avec... on n'a pas un grand serveur. On peut accueillir 6 personnes. La semaine dernière, bah, on a eu 5 personnes en comptant la femme de, enfin la copine de Jacques qui était venue nous aider. On était, y avait 2 gars du live qui étaient venus nous dire bonjour et ils sont venus jouer un peu avec nous. Donc y a pas de souci pour faire des lives. Hein. Moi et Shogun, on est ouvert. Jacques aussi, je pense qu'il doit être ouvert à faire des lives avec les autres. Donc voilà quoi. C'est pour ça que Jean-Louis et moi, on vous a invité. On voulait vous donner un bon coup de pouce. Ah bah merci Lily, que ça fait plaisir. Salut Michel, bonsoir les amis. Amis, on s'abonne, on met le joli pouce et on partage le live au maximum. Ça ne coûte rien. Si ce n'est pas déjà fait, merci d'avance. Merci Michel pour ton soutien. Bon, par contre, Jacques, t'as devancé, donc désolé, c'est pas toi qui va être épinglé. Bon, je parle, mais j'avance pas trop sur le champ, là, les champs. Qu'est-ce qu'on a à faire alors? Donc là, on vient de semer. Là, ici, on doit attendre. Comment ça se fait qu'on. Ah ouais, on doit attendre 2 mois. 2 mois pour récolter le tournesol qui est ici. J'ai de l'herbe qui est en train de pousser sur ce champ-là, mais c'est pareil, je dois attendre 3 mois, voire 4. Et c'est tout, j'ai que 2 champs, 3 champs. Ouais, 3 champs. Ok. Vous êtes une très bonne team, continuez comme ça. Merci DJ, ça fait plaisir de ton soutien. On essaye tout du moins, on essaye de proposer à notre niveau des lives un peu structurés, même si des fois ça part en couille, j'ai envie de dire. Tu mets moi et Shogun dans le même vocal, ça part souvent en couille. Hein. Ça va... Shogun, j'arrive de temps en temps à le faire dévier, tu vois, c'est bien ça. J'aime bien ça, j'aime bien le faire dévier un petit peu de temps en temps. Bon bah je pense que moi je vais devoir faire des missions. Alors on va falloir parler aux gars de la team pour savoir s'il y en a qui veulent faire des missions. Allô les gars. Allô. Je voudrais savoir par le plus grand des hasards s'il y en a d'entre vous qui sur ce live pensent faire des missions. C'est comme moi lol, on part en couille lol. Ok, moi j'en ferai pas de toute façon. D'accord. Et toi, Jojo? Je sais pas, je crois pas non plus. Parce que moi, là, j'ai plus rien à faire, donc faut que je fasse des missions, ou alors faut avancer le temps. Et je pense que vous avez plein de taf, donc moi, il faudrait que je fasse des missions, mais si je dois faire des missions, il faut que je tire la roue. Bon, malheureusement, je vais devoir vous laisser. Je suis hyper fatigué et encore bravo. Y a pas de souci, Malilik, va te reposer. Oui, tire la roue. Bien le bonsoir à l'équipe. Merci, DJ. Bonsoir à vous aussi. Ouais, donc moi, je vais tirer la roue. Non, c'était pour savoir si vous voulez être là ou pas, pour pas que je triche, entre guillemets. Je sais que vous regardez mon live, donc normalement, je vais pas tricher. Tout à fait, je regarde. Ouais, non, mais ça, y a pas de souci, c'est très bien. Moi, je suis pas du genre à tricher quand y a un truc, quoi. Là, donc, je vais faire comme j'ai dit, en gros. Je vais mettre toutes les missions qu'il y a et dans la roue. Et, enfin, tous les champs, plutôt, les numéros de champs dans la roue. Et je vais m'en tirer 3. 3 au pif à la roue, et puis on verra ce qui en sort, quoi. Ok. Alors... Bon, alors moi, le temps que je prépare la roue, les amis, hein. Hop. Alors, elle est où ? Parce que voilà, ça c'est bien aussi de vouloir tirer la roue. Mais derrière, ça nous oblige à faire. Bah, à faire en direct, quoi. On peut pas faire séparément. Alors, j'ai le champ 28, 9, 54, 85, 103. Alors, 28. 9
C'est point virgule ou virgule, j'ai pas vu. Virgule, ok, donc 28,9. Après, j'ai quel autre champ? 54, 85, 103. 54, 85, 103. Ça, hein, si j'ai pas de conneries. 54, 85, 103, non. Dracofeu, salut Dracofeu, comment tu vas? Allez, désolé, j'avais pas vu ton petit coucou, mon petit Dracofeu. Désolé à toi. Moi, ça va nickel, et toi? Live partagé dans ma playlist. Merci Michel, j'irai faire un petit coucou. J'irai mettre mon petit pouce sur sur les lives que tu partages. Merci à toi. N'hésite pas à faire des pubs, même ta chaîne, etc. Il n'y a pas de souci. Tu sais que toi, t'as tous les droits, toi. Si tu veux faire des pubs pour la chaîne à Lilik, pour la chaîne à FASH, Jacques, Shogun, n'hésite pas. 103, 95, 20, 83, 105. 95, 20, 83, 105. Alors, virgule, 95, 20, 83, 105. Ouais, ensuite, on a 70, 99, 127. Alors, hop, virgule, 70. Merde, je sais plus. 70, 99, 127. Donc, 70, 99, 127. Hop. Donc, alors, ta, widget, tirage au sort. Bim. Alors, oui, c'est normal. Le tirage au sort, il va être là. Bam. Hop, je mets ça là. Voilà, alors comme vous avez vu, j'ai... merde, il me l'a remis en grand, cet enfoiré. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai mis tous les champs qu'on avait. Donc la possibilité de faire tous les champs. J'ai mon petit calepin sur lequel je vais pouvoir mettre les différentes missions que je vais gagner. On est parti pour le premier tirage. Allez. Vous voyez pas trop le résultat. Voilà. Alors, la mission avec du champ 54. Ok. D'accord. Donc on va la tirer tout de suite, histoire de la bloquer, parce que je sais que des fois... les missions partent. Alors le champ 54, ça nous fait une mission de labourage à 937 €. On accepte le contrat. Tac, voilà. Ensuite, on repasse à l'autre. C'est parti. Alors, j'ai pas besoin du calepin alors si je les prends direct. J'aurais peut-être dû enlever le 54. Bon, ça va, c'est pas tombé sur le 54. Le 70. Alors, le champ 70, c'est lequel? C'est celui-là, un épandage d'engrais. Accepter le contrat. Et enfin... ouais, j'ai pas regardé par contre si on avait... si j'avais mis... ouais, le nombre de missions max 3, donc ça c'est bon. On est bon. Et enfin... Hop, on repasse sur le live. Tac. Donc j'enlève le 54 et le 70. 54 et 70. Tac. Et c'est parti. Alors désolé, je vois pas pour l'instant les vocaux. Vous êtes juste derrière la roue en fait, c'est pour ça. Le 85. Alors le 85, est-ce qu'on a un truc qui nous paye quand même un petit peu plus? Non, on reste dans les 700 les amis. On est pas aidé là, on n'est pas aidé, mais bon, c'est le maximum de contrats qu'on peut faire au mois. Donc moi j'ai dépassé mon quota au mois. Enfin j'ai pas dépassé, j'ai fait mon quota au mois. Voilà.
Hop, ça, de ce fait-là, on peut enlever ça. Bim, voilà. Hop, je vous remets sur le côté. Hop. Et je fais ça. Ça, je remets les chats devant de chaque côté. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Ok, Dracofeu, ça va. Live partagé, moi nickel. Récupère mon chien cet après-midi. J'ai récupéré mon chien cet après-midi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Salut, pourquoi il y a une roue? Bah, la roue, elle est là en fait pour moi. Sur la mission, sur les fermes voisines, on a mis un quota de missions et c'est le tirage au sort. Parce que sinon, on s'est dit, ouais, dès qu'il va y avoir des missions de pressage ou quoi que ce soit, on va se ruer dessus. Donc là, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui veut faire des missions, on a le droit à 3 missions par mois, grand max. Non retranscrit plutôt. C'est-à-dire que si tu ne fais pas tes 3 missions dans le mois, bah t'auras pas 6 missions le mois prochain. Donc là c'est vraiment pour nous aider. Ces missions là on se les tire au sort en fait. C'est pas nous qui décidons quelle mission on fait, c'est le tirage au sort qui définit telle mission. Voilà, comme ça derrière s'il y a 2 missions de pressage, bah c'est au petit bonheur la chance. Voilà. On a le droit à 3 missions chacun, ça fait 9 missions en tout. S'il n'y a pas 9 missions, on déduit. On garde le nombre de missions qu'il y a et on se dit, bah voilà, on peut faire qu'une mission chacune. Et voilà, c'est comme ça. Et est-ce que les contrats c'est x2? Non, les contrats c'est pas x2, non, justement. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile quand même. Sachant que j'ai mis un mode pour dire que les missions... soit payé 5 fois le prix qu'elle devrait être payée normalement. Mais ces missions sont pas chères, tout simplement parce que les champs sont pas grands. Quand tu regardes, là, on a un champ à 0,36 hectares, je fais 3 allers-retours, j'ai plus rien. Tu vois, donc ça vaut pas le coup d'être payé autant. Tu vois, par exemple. Tu vois, c'est ce que je dis, quoi. Tu vois, ça vaut pas le coup d'être payé plus cher que c'en est. J'ai le champ 70. Le champ 70, il fait 0,40 hectares. Quand on regarde le prix de ma mission, le champ 70, c'est celui-là. Tu vois, je suis payé 765. Le champ 54, je suis payé 937, mais c'est du labourage. Donc, suivant les prix, on est bon, en fait. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, on est parti. Là, on va aller... Donc, on a eu un champ de labourage, un champ d'épandage d'engrais et un champ de... deux champs de labourage. Donc là, en fait, on va pouvoir tout prendre. Je vais virer un peu de... Là, je sais pas ce que j'avais mis sur... Il faudrait que... Ouais. Je me délecte... Ouais. Ouais, je vais faire ça. Je vais virer... Ça a donné qu'il a des médicaments pendant un mois. Je dois revenir toutes les semaines pour refaire les bandages. Le chien de la dame a des cours d'éducation et s'est fait vacciner. Ok, d'accord. Mais il a pas perdu sa jambe, alors, de cette là. Il a pas perdu sa patte. C'est une bonne nouvelle déjà s'il a pas perdu sa patte. Donc là je vais prendre tous les appareils qu'il faut. Là j'ai pas d'engrais donc je vais en ressortir. Je vais sortir l'engrais. Voilà. Je vais le mettre là en attendant. Je vais prendre ma charrue. On va faire la charrue en premier, je pense. Et après, on ira faire les épandages d'engrais. Enfin, l'épandage d'engrais. Coucou, ça va mon collaborateur? Ça va très bien et toi? Ah bah, tu n'as pas le même argent que sur les fermes voisines saison 2. Mais c'est les fermes voisines saison 2. Là, on est sur les fermes voisines saison 2, là. Si je veux dire la saison 1, plutôt. Oui, la saison 1, ouais. Ah bah, la saison 1, au départ, moi, j'ai commencé, j'étais pareil, hein. La saison 1, on a... Au bout d'un moment, oui, t'as de l'argent, oui. Donc, ça va mieux, après. Hop. Je sais pas, je vais mettre que 1000 litres dans le...
Oh, non, allez, je vais tout prendre. Ouais, ça va. Bonsoir à tout le monde. J'espère qu'avec le peu d'engrais que j'ai, j'aurai assez. Normalement, oui. Hein, parce que je pratique la méthode pour dire de pas gaspiller mon engrais. Et ça va me rapporter un peu d'argent que je vais pouvoir investir ailleurs ou pas. Derrière, il va falloir quand même que je trouve quelque chose à faire. J'ai les gyros d'activer. Hein. Il y a l'air. Alors, le champ le plus près, c'est lequel? Alors, j'ai le 54, le 70 et le 85. Bon, bah, c'est le 54 que je dois faire. Donc là, faut que je descende tout ici, que je prenne là, et j'arriverai devant le 54 de toute façon. Ok. Allez, c'est parti, en vue intérieure. On va peut-être baisser l'avant, histoire de ne pas être emmerdé par la vue du coffre. Et on est parti. Shogun n'est pas là. Shogun, il est dans, dans son propre live, la miss. Demain, j'achète FS22. Du coup, c'est parti pour rechercher des mods. Ah, ça. Bah, t'as plusieurs liens hein, pour rechercher des mods. Hein. Moi, principalement, je suis sur King Mod et sur Mod Farming Simulator 2219, qui est un bon site aussi. Ok, mon coblateur. Ok, d'accord. Là, on va pouvoir tourner à gauche. Il y a de l'achat qui se fait là, j'ai l'impression. Et il a la flemme d'attendre FS25, il m'a dit. Il m'a dit, oh la flemme. Quand je lui ai dit la même chose que toi, hein. Je lui ai dit, ah, FS25 qui sort en fin d'année, il m'a dit la flemme. Il y en a un, il achète. Ça se sent là, ça sent l'achat là. Merde, qu'est-ce que je fais? Putain, le champ il était juste là, là. On n'a pas eu de chance, on n'a pas, pas eu de... Bah, il n'y avait pas de pressage, hein, donc ça va, quoi. Mais regarde la taille du champ, tu vois, il est pas énorme, quoi. Ça vaut le prix qu'on a claqué, quoi. Enfin, qu'ils ont mis en prêt, quoi. En truc, quoi. Une flemme et un flemme et deux, ça ne va pas trop changer, alors non merci. Bah si, ça va changer, au début t'auras pas de mode. Donc si, ça va changer. La 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 la. Un groupe de mots. Non, tu peux pas. On dit pas de gros mots ici.
Bah si, parce qu'en fait, c'était pas une question. Ah bah c'est un tes risques et périls, mon grand, c'est un tes risques et périls. J'ai un modo qui banne rapidement. Et j'ai le Nightbot aussi qui aime pas certains mots, donc c'est un double tranchant Dracofeu, hein. Je préfère prévenir. Hein. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc moi je peux très bien les dire. Je peux très bien les dire, mais vous non. Ah, ça y est, il commence à pleuvoir. Donc s'il y en avait qui faisaient de la récolte, bah c'est mort. T-Rex sur un scooter qui pleure. Bonsoir à toi, collègue modératrice Kenza Balto Tina du 5. Ok, le champ 54 il est terminé, mais comme c'est une petite partie, je vais le faire jusqu'au bout. Hein. On va faire le contrôle jusqu'au bout, hein. On va pas laisser cette petite partie là. Il a beau être terminé, moi je le finis, allez hop. C'est pas du consommable, donc je préfère le terminer à 100%. Voilà. Donc celui-là, on l'a terminé. Hop, on va déjà le prendre, ça va nous faire de l'argent. Ou non, on va attendre que on a fait les trois. Donc le 70, c'est quoi déjà le contrat 70? C'est de l'épandage d'engrais. Donc maintenant, on va se diriger vers le 70. Donc le 70, il faut que... Alors, je pense descendre. Et arriver à la... Ouais, je pense que j'ai quelque chose là. J'ai un passage là après ici. Hein. Ou alors, ah non, quoi que je peux prendre par là plutôt. Ouais. Donc là, je passe devant le conseil, je continue tout droit jusqu'à la sortie ici, entre après le champ 11, avant le champ 11. Et ça devrait être bon. Allez, on est parti. Louis la star, ouais, c'est ça. I am the star. Bonsoir Michel. Tu vas bien sinon, Kenza? Kenza, elle est partie, je pense, du côté à Shogun. Ah bah, elle est revenue. Ça y est. Elle est revenue, Kenza. Merci pour votre soutien, ça fait énormément plaisir. Et pour Fendi, ouah. 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 Hop, là on passe devant le process. Et là, ici, champ 11, tac, elle est là la route. Moi je me casse de ce live, je vais voir Shogun, il est mieux que toi en fait. Bah vas-y, va voir Shogun. Et pour Fendi, allez. Et pour Fendi, allez. Alors. Hop. On va poser la charrue ici. Tac. On va se mettre là-bas. Non, là je vais épandre l'engrais là justement. Je suis arrivé au champ pour épandre l'engrais.
Alors, on va désactiver le taux d'application automatique. Tac. Et on va diminuer la quantité au minimum. Donc, normalement, c'est K. Non, K pour l'augmenter, M pour la diminuer. Voilà. Et on est parti. Ça va être très vite fait. Fini là, non? J'ai pas vu le message. Non, 96%. Ok, on a encore un petit bout là ici qui a pas été fait. Alors. Et voilà, ça c'est fait. Cool les cœurs pour Fengeek. Merci à vous pour votre soutien. Merci, merci, ça fait plaisir. Fengeek, vivement que je puisse revenir jouer avec vous. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, on t'attend, hein, on t'attend, ma petite Kenza. Enfin, on t'attend. Moi, je t'attends, Shogun aussi. Après, tu viendras sûrement jouer avec nous sur les fers, le petit coin perdu. Comme ça, t'auras pas besoin de d'autres modes ni des, enfin, t'auras pas besoin des DLC. Vu que tu pourras pas, pas forcément avoir les DLC, toi. Donc le 70, c'est fait. Ensuite, il nous reste à faire le... il est où l'autre? Ah, il est là. Alors, pff, tac, 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 tac. Ouais, ok, d'accord. Donc je reprends la route, je tourne à droite et après je descends jusqu'en bas. Ok. On suit la route après. Hop, je redescends mon épandeur d'engrais, histoire de voir la route. Pour mon collaborateur et pipi pourra et allez allez. Oh tiens, merci, merci pour votre soutien, ça fait plaisir. Merci, merci, merci beaucoup à tous. Ah oui, c'est parce que Jacques il coupe du bois qu'on a des coups de lag aussi comme ça. Donc là on descend là et après c'est tout en bas en suivant la route. Bon, on va se faire une petite rentrée d'argent, mais pas des masses, hein. On va se faire peut-être 2000, il me semble. Après voilà, hein, c'est les aléas des missions, hein. Alors le champ 85, il est là. Voilà. Merde, elle a été déployée déjà. Entre collaborateurs, on se soutient. Bah ouais, tout à fait. Hein. Il faut de toute façon, hein, entre youtubeurs, il faut se soutenir. On vit dans un monde de... Un super jeu, super beau monde. Et il faut qu'on se soutienne mutuellement. Pour réussir. Faut pas qu'on se tire des bâtons dans les roues. Faut pas qu'on prône la violence. On est là pour montrer ce qu'on aime. Et ce serait con de le gâcher en se faisant la guerre. Tu mérites tellement plus de succès. Ouah, ça viendra, mais moi je cherche pas à en faire mon métier. Je le dis clairement, je cherche pas à en faire mon métier. Je cherche pas non plus à monétiser ma chaîne. Le seul truc que je veux, c'est augmenter ma communauté. Et puis et franchement, que vous dites que vous aimez le travail qu'on fournit. C'est le principal. Franchement, c'est le principal. C'est ce qu'on veut en fait, c'est que vous appréciez ce que vous regardiez, que vous passez un bon temps avec nous.
Et on verra, peut-être qu'à un moment donné, oui, je monétiserai la chaîne, mais j'attendrai pas après des dons, quoi, tu vois. C'est... Moi, je m'arrêterai pas de bosser pour dire de me mettre à fond dedans, c'est pas le but. Et de toute façon, j'ai une femme derrière moi qui me dira « Mais niette, mon gars, tu restes sur un truc stable. » Et c'est ce que je veux, hein, c'est vraiment pas ça. Après, je sais que du fait que je veux pas en faire mon métier, il y a un moment donné où, ça va, on va bloquer, on va atteindre un palier où les gens vont dire « Ouais, ben attends, tu veux pas en faire ton métier, donc tu produis pas assez de contenu. » Et oui, à ce moment-là, on arrêtera de grimper au niveau du nombre de viewers. Mais moi, le principal que je veux, c'est savoir une communauté qui est là, qui est présente. Et qui est pas comme des youtubeurs où je peux voir, ils sont à plus de 200 000 abonnés, mais derrière, sur leur live, bon, c'est déjà conséquent quand même. Il n'y a que 753 vues, quoi, tu vois. Il y a un souci quelque part quand tu arrives là. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont abonnés, qui regardent plus ta chaîne, mais derrière, ils sont encore là, quoi. Et moi, je préfère avoir une petite communauté active. Une communauté où j'ai 5 gars qui sont actifs et le reste qui fait rien, quoi. Bah, comme là, quoi, en gros, hein, j'ai envie de te dire. Là, j'ai beau avoir 200 et quelques abonnés, je n'ai pas de 1 à 200 vues sur ma chaîne et de 2, j'ai pas 200 personnes sur mon live, mais je m'en fous, tu vois, je m'en fous, je suis pas là pour ça. Fangeek, c'est le meilleur. Meilleur, pardon. merci. Bien, c'est mon collaborateur. Dans le live à Geoffrey, j'ai voté pour qu'il soit une star et il a dit oui et pas toi. Quelle enflure, ce mec. Quelle enflure. Bon, allez, on va se choper de l'argent là. Nickel chrome. Donc, on obtient le labourage du champ 54. On obtient le labourage du champ 85 et l'épandage d'engrais du champ 70. Voilà. On s'est fait un petit 3000 et quelques. C'est pas mal. C'est pas mal. 3210. Bon, ça va pas mettre du beurre dans l'épinard. Mais au moins, on est serein. Je pourrais dire de me racheter quelques trucs. Niveau location, en occasion, j'ai bien des trucs comme ça qui pourraient me servir. La charrue, bon, j'ai une meilleure charrue, donc ça c'est bon. On a une cuve, mais c'est qu'une cuve à lisier. Il y a une faucheuse là, comme ça, on pourra peut-être dire de la prendre, mais elle coûte cher encore pour l'instant. Fengeek, tu peux. Oh, bah, ça a été supprimé. J'ai pas eu le temps de lire le message. Ensuite, niveau champ. Niveau champ, on a ces trois champs là. C'est vrai que je pourrais dire, bah voilà, les champs, il y en a qui vont être bientôt prêts, quoi, tu vois. Mais on dit, ça c'est quoi? C'est du sorgho, ça, en plus. Ah, il y aurait du sorgho qui serait prêt, mais c'est toujours pareil, c'est pas pour vendre. J'ai les carottes là qui pourraient être prêts, mais la location du matos serait trop importante. Pour dire de faire quelque chose, quoi, tu vois. Et de mon côté, y a rien. J'ai rien de mon côté. Là, j'aurais peut-être du blé encore. J'aurais du blé, ouais, mais c'est pas ce qui se vend le plus, quoi, tu vois. Et tous les champs de soja, par exemple. Il me semble que les champs de soja, ils sont pas prêts. Il y a pas grand-chose de prêt. Le 67, par exemple, il est prêt, mais c'est du blé. Ensuite, il y a quoi d'autre de prêt? Bon, le champ 84, c'est du blé aussi, il me semble, que notre charmi fait. Ouais, tu vois, c'est du blé. Il n'y a pas énormément de champs qui sont prêts à être récoltés, à part du blé, quoi. Donc, on a juste quelle heure, les gars? 23h. Ok, chef. Et à 22h45, on fait le point. Voilà. Tu préfères avoir beaucoup de gens. Attends, mon collaborateur, tu peux passer un message pour moi ou pas, s'il te plaît? Bah, ça dépend quoi. Oh, le méchant, t'es trop méchant, en fait. Heureusement, j'ai pas voté pour toi, hein. Toi aussi, t'es méchant, mon petit Dragofeu, t'es méchant, hein. Tu préfères avoir beaucoup de gens sur ton live, mais tu n'as pas le temps de lire les messages ou avoir beaucoup de personnes et tu peux lire tous les messages.
Bah, je préfère ne pas avoir beaucoup de personnes et lire tous les messages, oui, ça c'est sûr. Mais derrière, je préfère avoir des gens actifs plutôt que des gens inactifs qui sont pas là, quoi, tu vois. Après, oui, voilà, du moment qu'on est là pour égayer le chat, après, c'est sûr et certain que c'est mieux que de ne rien voir du tout, quoi, par exemple. Là, on a fait les poules. On a le champ de sorgho qui est prêt, enfin, qui a été semé. Là, j'attends 2 mois pour avoir le champ de tournesol ici, qu'on ira vendre, alors, dans ces cas-là. C'est soit on fait ça, ou soit je fais la location de la machine poncilage, ce sera trop cher. Ce sera trop cher. Alors là, je dois aller où là pour rentrer chez moi? Donc je peux partir par là. Ouais, et rattraper, ouais, c'est ça. Je peux partir par là et rattraper. Promis, pas histoire, c'est pour savoir quand je peux aller chercher Matina et mes papiers, car je ne peux plus écrire sur ces lives. Après coup, Pardon ? T'as dit un combo à Dracofeu ? Non, c'est lui, il est en train de m'écrire en gros qu'il a voté pour toi parce que j'étais soi-disant méchant et qu'il me met « Oh le méchant, t'es trop méchant en fait, heureusement j'ai pas voté pour toi », tu vois. Et moi j'ai dit « Bah non, c'est toi le méchant » et puis bah voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Maxtrem. Jacques ? Ouais. Après le live, faudra que je te pose une question. Je peux pas te la poser là actuellement parce que c'est de l'ordre du privé. Mais y a une personne qui m'a posé une question. Donc voilà. Je pense que tu sais de qui je parle. Et comme c'est de l'ordre du privé, je préfère pas te le blablater là sur le live. Ah ok, d'accord, bon bah c'est bien, au moins tu sais de quoi on parle. Et voilà, et encore je prends le mauvais sens, hein, comme d'habitude, je parle et je prends le mauvais côté. Par contre j'ai une question, est-ce que vous avez du boulot pour moi ou pas les amis? Parce que j'ai déjà fini mes missions et j'ai vraiment rien à faire à la ferme. Bah si tu veux, moi j'ai du bois à couper. Ouais mais moi je demande à être payé, hein. Ah là tout de suite on dit bah non. Non, j'ai dit combien? Hein? J'ai dit combien? Ah bah moi c'est ça dépend en fait. Je suis payé 45 de l'heure. 45 de l'heure? Ouais, heure réelle, hein, pas heure du jeu. 45 de quoi? 45 euros de l'heure. Ok. C'est que ma personne, 45 de l'heure. Après, si je dois utiliser un tracteur, si je dois utiliser ceci, c'est tu rajoutes le prix du tracteur, quoi. Ok. Et si moi, ça fait alors là, si t'achètes tout ce qu'il faut, bah, ça va être compliqué déjà de m'acheter une tronçonneuse. Parce que ça, c'est à moi, ce sera personnel après. Bah après si tu veux par contre tu peux venir récolter mon champ de blé, ouais. J'ai pas entendu quoi? Tu peux venir récolter mon champ de blé que je suis en train de faire si tu veux. Ah bah ouais, ça, t'as quoi je peux venir t'aider si tu veux. Ouais, par contre si c'est une John Deere je rentre pas dedans. Non c'est une Dutt. Ah bah ça va alors. Donc ouais ça me dérange pas. Ok. Et je suis payé 45 de l'heure. Ouais pas de soucis. Ok. Donc là je range mon camion et puis j'arrive. De quoi? Je range mon tracteur et puis j'arrive. Ok, et ce bout t'as dit quoi? Je ramène une remorque pour tout là en plus. Ouais ramène. Ok, tu m'en vends combien en fait? Bah je sais pas, t'en veux combien?
Bon, moi j'ai pas fini encore. Mais dis bien mon collaborateur, il n'y a pas histoire. C'est ce que je demandais justement. Si tu pouvais aider monsieur Gifarm pour son champ. Ok, ouais, bah je vais y aller. Ah oui, t'es bien payé 45 euros de l'heure. Ouais, t'as vu ça, je suis bien payé, ouais. Non, ça va. En vrai, ça va, c'est pas cher payé dans le jeu. Hein. 45 de l'heure, ça fait là son champ, je sais pas en combien de temps, mais je vais activer un chronomètre, les amis. Pour qu'on puisse voir en temps réel combien de temps j'ai passé à faire le champ, quoi, tu vois. Comme ça, il aura réellement le. Il aura réellement l'horaire que j'aurais fait, quoi. Je veux pas le gruger non plus, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Moi, je suis carré dans ce que je fais. Le chrono, on le verra tous. J'ai cru que j'avais oublié ma charrue dans les champs. Je sais pas, je vais te dire ça après. Et on appuie sur le champignon. Et oh, c'est bon, hein. C'est bon. Je l'aide. C'est déjà ça. Je suis payé, j'arrive, y a pas de souci. Il faut qu'il me donne la sous-traitance et puis j'arrive. Hop. Alors, on ferme ça hein, pour pas se faire voler. Ça, hop, on va le bouger, on va le mettre là-bas, sous le porche. De grains, Anton. Pour le prix. Ah, non, les deux, ça va arriver. Ouais, ça me va. Non, non, il hein, y a un prix déjà fait, hein, les gars. Ouais, ça je sais qu'il y a un prix qui est déjà fait. Mais 8000 litres, bah il faudra 8000 et 2000 litres. Ouais, c'est ça. Alors, on va aller dire bonjour à notre petit Jacques alors. Après, s'il y en a trop, je peux en prendre moins. Hein. Il est là. Hop. Ouais, bonjour, je suis là pour bosser. Oui, je rigole, prends tout ton temps. Bah non, je vais pas prendre tout mon temps. Faut que tu me donnes la sous-traitance si c'est pas déjà fait, mon petit Jacques. Et je vais activer sur mon live un chronomètre, comme ça on saura en temps réel à combien de minutes on est. Alors, chronomètre, par contre, je pense pas qu'il est activé sur le live. Il va falloir que je sorte le produit. Bienvenue aux 5 spectateurs, les amis. Pas un chronomètre, un time. Non, si, c'est un chrono, hein. Ouais, c'est ça. Chrono. Puis, en gros, je fais chrono up. Non, c'est pas un chrono, c'est un... Un compte down, non, c'est pas ça. Non, c'est chrono. Hein. Si je fais start, ça fait quoi? Pause, stop. Retour. Ouais, ça doit être celui-là. Copy, pat, tout, clipboard. Voilà. Hop. Alors, sur mon chat, le widget, un petit plus, image, bloc de couleur, non, diaporama, texte, JDI, grec, normalement ça doit être ça. Ça doit être ça, un texte JDI, grec. Ajouter une source. Merde. Il est où mon deuxième bloc là? Voilà. Alors, ça m'a mis chrono, début dans. Ouais, c'est ça. Hop, nouvelle source. Tac. Et on va l'appeler. Compteur. Compteur d'heure. Voilà. Ajouter une source.
ça c'est bon. Lire à partir d'un fichier. Et fichier texte. Hop, je fais paste. C'est celui-là. Voilà. Et normalement, j'ai juste besoin de faire terminer. La couleur, on va la mettre en rouge. Voilà. Alors, le compteur, il est là. Voilà. Il est là, le compteur, de ce que je vois. Alors, faut juste que je le prenne. J'espère que c'est la bonne... le bon truc que j'ai. Ouais, il m'a fait une grande page là ou quoi. Ouais, j'ai que la moitié là ici. Oh, Dieu. Ah ouais, en effet. Ah, il est en train de... Ouais, je suis en train de préparer le compteur, chef. Ok, mais j'arrive plus, hein. Oh, je suis en train de tout bouger, là, les amis, ça va pas le faire, là. Ça va pas le faire. Compteur, hop. Ah, ça y est. Je commence à en voir le bout. Alors, là, tac. On diminue ça là, on diminue ça comme ça. Là, je veux juste l'activer pour voir si c'est bien ça. Si j'ai bien le compteur qui s'active. Ouais, il est là. Bon, il y a un petit souci quand même sur le compteur, mais bon. Il met quelque chose déjà, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que je suis pas trop bourré, je pense. Mais il le met vraiment merdiquement. C'est quoi ce brin là? Alors là, il me le met bien. Alors, opacité, ça c'est bon. Ah, si je fais terminer là, pourquoi il apparaît comme ça? Pourtant sur mon truc, il me le met correctement. Ah, c'est peut-être ma résolution de texte qui est trop grande. Ouais, je suis en 36. Hop, on va le mettre en 11. Ça devrait le faire, là, normalement. Ça devrait le faire. Ouais, on commence à voir... on commence à voir le bout. Hop. Bien sûr, comme d'habitude, il m'a tout mis comme ça, ce bâtard. Non. Voilà, alors là j'ai le compteur qui est là, hop, on le voit ici. Voilà, j'ai juste à le diminuer un peu. Voilà, bon, vous inquiétez pas, le compteur il est là, je vais le redémarrer. Hein. Ça fait pas une minute 38 que je bosse pour lui déjà. On va peut-être améliorer un peu la gueule, c'est juste que comme ça au moins je le vois. En power clear, ça pourrait le faire. Transformer le texte en majuscule. Voilà, ça pourrait le faire. Opacité, on est bon. Style de police régular. Bloat. Non, régular. Régular, c'est bien. Utiliser police Google. En Allura. Non, pas en Allura. En Alan. Non, c'est bien en power clear, voilà. Ouais, c'est très bien comme ça. Ça suffira. Voilà, on l'a là, on le voit. Voilà, c'est le principal. Alors, stop, et on restart. Je me mets dans la mousse batte plutôt. Je me mets dans la mousse batte, et on restart. Hop, restart. Voilà, nickel. Bon, ça a un peu bougé. Voilà, on va le bloquer. Compteur, bim, voilà. Il est bloqué. Voilà. Allez, c'est parti, les amis.
Ok. Jacques ? Oui. Je peux monter qu'en tant que touriste dans ton truc là. Ok. Bon bah non en fait. On redémarre. Bah en gros il faut que tu me donnes les droits, mais là si tu là t'es les droits de sous-traitance en fait c'est juste le. T'as pas coché la case où je peux travailler pour toi. Donc en fait on peut que monter dans ta truc en tant que touriste. Mais ouais mais je peux pas. C'est bien parce que je peux pas, mais je peux pas. De quoi il peut pas? En cliquant là-dessus, il a les trucs là comme ça. Que moi en tant que là je peux aller sur sur cette moi, ferme. Je peux pas, désolé cher ami, mais je peux pas. Je peux rien faire, moi je vais me coucher là pour toi quand c'est le truc de chien. Octroyer le statut de sous-traitance. Modifier l'accès du sous-traitant. Voulez-vous vraiment donner l'accès à oui. Alors non, y'a pas moyen chef, y'a pas moyen. Non on est que on est que touristes là-dedans. Je vais regarder, c'est peut-être le fait qu'on n'a pas le droit d'avoir des ouvriers. Tu sais sur le truc de mission. Ah ouais, ça viendrait de là. Hop, login, démarrer, rules. Max Helper, on peut en avoir un. Lease véhicule, il marquait allowed. Non, non, ça c'est bon. Crédit, on peut avoir. Max Amount, off. Country Lifter, non, perfect. Vas-y, essaye là, je l'ai fait en rentrant dans sa ferme. Ouais, c'est bon. T'as fait quoi alors? J'ai juste rentré dans sa ferme et puis j'ai été octroyé les droits. Ah donc il m'avait pas octroyé les droits. Bah oui mais moi je pouvais pas. Il faut que tu cliques sur la ferme, hein, pas sur le joueur. Ah merde, d'accord, ok. Voilà. Donc on est bon, c'est bon alors maintenant je peux relancer le compteur pour la 50e fois là maintenant. Allez les amis, on est parti. On relance. Stop. Hop, start. Allez, c'est parti. C'est bon, je peux commencer à bosser alors maintenant. Par contre, tu vas avoir un rendement moindre hein, du fait qu'il pleut. Hein. Oui, bah c'est pas grave. Faut pas mettre de... Faut pas faire d'andin ? Non, 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 pas d'andin. Ok. Hop, je remets les chats devant les amis. Voilà. Allez, c'est parti. Je sais, il faut juste aller dans sa ferme. Ouais, bah non, bah voilà. Salut à tous, salut Fengix, le fan grec. Salut Matt, comment tu vas mon ami? Même si tu m'as blessé tout à l'heure, bonne nuit à tous, à tout le monde. Bonne nuit à toi mon petit drac au feu. Je suis encore modo chez toi, mon collaborateur, ça me choque. Pourquoi ça te choque? Pourquoi Kenza ça te choque? Ça va très bien, je suis en plein montage. Ah, c'est bon ça. Je suis ok, c'est tout. Ah bon ? Ouais. C'est bon comme le jambon ? Ah. Ça c'est bon comme le jambon. Mais je préfère le saucisson.
mis en 10 000 bits maximum. Ok, pas de soucis. Du coup, Louis, une fois que ta crédit est pleine, tu vis dans la. Dans la Oui, patron! Et tu dis que tu veux 10 litres. Ouais, bah 10 000 litres, le maximum qu'il pourra prendre, quoi. On en parle que vous moissonnez alors qu'il a de rage. Ça, c'est. Moi, je travaille. Là, à l'heure actuelle, tu vois le compteur qui est à côté de moi. C'est le temps que je travaille pour Jacques. Donc, Jacques m'a dit de moissonner. Je moissonne. Tu vois. Je lui ai dit tu vas avoir une perte de rentabilité. Il s'en fout. Il m'a dit tu moissonnes. Ben, je moissonne. Je obéis à mon chef. Mon collaborateur, je vous laisse. Bonne soirée. Mon collaborateur, bisous. Et redis-moi en MP pour ma question, s'il te plaît. Ouais, y'a pas de soucis, Kenza, je te tiendrai au jus. Bonne soirée à toi, merci du passage, et des bisous à toi. L'humidité, 30% MDR. Oh, là, on est... Merde! On a plus que 30%, là, je pense. Au niveau de l'humidité. On a plus que 30%. Mais bon. C'est comme ça, hein. il veut que je moissonne, avec un 0 derrière, un 0,3, un 300%, là. Ouais, 300%, là, c'est sûr et certain 300%, là. Là on doit déjà donner 10 000 litres à Geoffrey et après c'est tout pour lui quoi. Et j'arrive pas à dire quel gouillant moissonne comme un débutant. Ouais, je moissonne comme un débutant si tu veux. J'espère que c'est bien payé. Bah écoute, 45 euros de l'heure de travail. Le patron se sera pas content des traits. De quel trait tu parles ? Tu as fait avec tes roues. Bah, y a aucun trait. Ouf, mais le régule de vitesse à 5 et tu dis que ça bourre dans la machine avec la flotte MDR. Non, je suis pas comme ça, moi. Comme ça, tu fais double. Non. Bah là, de toute façon, là, ça m'étonnerait que je mets une heure pour moissonner son champ. Hein. Donc, si je suis payé 45 euros de l'heure. Si j'ai passé 5-6 minutes, ça va pas lui coûter trop cher. Hein. Ça va. Je vais gagner quoi? Je vais gagner 2 balles. Je vais gagner 2 balles. Geoffrey, je me suis pas bourré un peu. Au niveau des paiements, là. Je me suis pas gouré. Quel paiement ? Bah, tu sais, pour les heures de travail, etc. Au niveau de comparé à l'année dernière, je me suis pas gouré.
Ben non, non, j'ai rien changé du tout, mais ça me paraît très, très, très peu, 45 euros de l'heure. Sachant que j'ai même pas passé 2 minutes là. Je sais pas si on peut payer en dessous de 10 euros. La moisson, c'est 200 balles de l'heure chez toi. Il faudrait que je regarde mes papiers là. Je vais les sortir sur le live là. Parce que moi je pense que c'est 45 euros la minute. C'est 6 minutes. Non, c'est bah non, parce que l'heure du jeu on joue en 1. L'heure du jeu on joue en 1. Parce que là je suis en train de regarder sur le chat, les mecs ils me disent ouais 6 minutes c'est 0,1 centime. Ouais, mais je crois que c'était 4,5 dollars en fait. C'était quoi? Je vais regarder sur les papiers. Pour moi je pense que c'était plus en minutes que en heure. C'était 45 euros la minute. Oui, c'était en minutes. C'était en minutes hein, on est d'accord hein. Oui. Bah tu veux toujours de moi en minute quand même ou pas? Bah moi ça me va hein, 45 euros la minute hein. Bah ouais, pour moi c'était ça hein, parce que je suis en train de faire les calculs et c'est vrai que si je passe que 6 minutes dans ton champ ou même 10 minutes, ça me fait que 10 euros, tu vois. Faible. Ouais un peu ouais. Non mais sur machine, 0,1 heure c'est 6 minutes. Ah putain! Avec honnêtement, pour 6 minutes ou 10 minutes, ça vaut pas le coup pour travailler pour 10 euros. Ouais. Bah ouais, un peu ouais. Quoique dans la vraie vie, 45 euros de l'heure, je prends, hein, tu vois. Oui, non, mais moi aussi, mais je veux dire, là. Et chez moi, IRL, c'est 200 balles de l'heure. Eh ouais, y a Matt qui est en train de me dire, putain, chez lui, c'est 200 balles de l'heure pour la moisson. Mais bon, dedans, il y a le prix de la moisson aussi, de la moissonneuse. Hein, parce que c'est pas toi qui ramène la moissonneuse. Ouais, ça doit être ça. Je vais dormir à tout le monde et bon live. Merci Emma, merci Elliot. Après, tout dépend s'il a un difficulté avec une moissonneuse, tout dépend, il peut la ramener. Hein, si là, j'arrive pas à lire, récréer un autre message, Matt. À cause du cœur là que j'ai sur le chat là, j'arrive pas à lire. C'est eux qui fournissent la fameuse naissance et tout ça. Ensilage c'est 100 balles. Ouais. Et l'ensilage c'est 100 euros l'hectare. Bah nous c'est 45, écoute. On n'est pas là pour se foutre dans la merde, c'est déjà bien qu'ils me donnent du travail. Hein, tu vois. Jacques, tu vas en faire quoi du blé? Bah j'en vais une partie à ce goût, mais le reste tu le mets dans ma benne à moi, je me crois que ça finit pour. Tu veux des miettes? Ah ouais. Ok. Donc il va avoir 10 000 dans la benne à Shogun et toi tu vas avoir 2005. T'inquiète, pas de soucis. J'en ai pas besoin pour le moment. Ok. En vrai ça passe plus 200 balles de l'heure que 45 la minute. Bah oui mais 200 balles de l'heure, normalement il y a la moissonneuse qui est comprise dedans, Matt. Je veux dire, tu fais pas juste venir une personne pour qu'il utilise ta moissebatte. Votre benne est pleine, monsieur Shogun. Ok, je vais venir la chercher. Les rectifications, il te reste 3083 litres. Ok, pas de soucis. Je la mets où après la moissebatte? Je la laisse sur le champ? Ouais, laisse-la sur le champ. Ok, d'accord. Ça fait combien et je te paye. Ok, t'as plus de taf, façon.
pour moi. Non, j'ai... À part si tu veux livrer du bois. Ah, moi, comme je t'ai dit, moi j'ai plus de taf. À moins que Shogun y a du taf, mais moi j'ai plus de taf du tout chez moi. Donc, et comme j'ai fait mes trois missions maxi, je peux plus rien faire durant le mois là. Ouais, mais je veux dire que le total ça sera plus cher okay, si bah, tu fais 45 si tu balles la minute que 200 balles de l'heure. Alors, j'arrête déjà le chrono pour que tu me payes au moins ça et puis après on voit. Hop, on arrête le chrono. Ça fait 12 minutes 41. Alors, hop, moi je vais ressortir mon petit dossier que j'avais fait pour les fermes voisines. Non, c'est pas celui-là. Mode, voilà, c'est ça comme ça. Tac, je vais là-dessus. Là, farming. Et c'est les fermes jumelles. Vas-y, je calcule. Non, mais le calcul est déjà fait, les amis, il n'y a pas besoin. Le calcul est déjà fait. Pas de soucis. Derrière, est-ce que je peux rajouter un petit truc pour vous montrer? Je pense que c'est dans widget. Tirage au sort. Alors, vous n'allez pas tout voir, hein, les amis. Mais en gros... Voilà. Tac. Hop, je le mets en tout petit pour que vous voyez. Hop. Voilà, vous voyez, je me suis fait ça. Et là, on voit ouvrier. Il est bien marqué de l'heure. Mais on va changer à la minute et c'est 42 euros de l'heure, c'est pas 45. Donc là ici il faut qu'on change. C'est pas de l'heure. Et c'est à la minute. Comme ça voilà, je suis franc avec vous les gars. Vous le voyez ici. Donc là, en gros c'est un tableur. Et à la fin, tout en bas, j'ai hop, là ici, si on regarde bien. Attendez, j'essaye de bouger ça aussi en même temps parce que ça me turlupine de pas voir ce que je fais. En fait, donc là, voilà. Je vais vous mettre là. Et là, on aura le tableur. Voilà, tac. Je vais le diminuer encore un peu. Voilà, histoire d'avoir tout ça. Donc, ici, on a tout ce qui est offrande, blé, etc. Donc, par exemple, 10 000 litres de blé pour notre cher... pour notre cher cher Shogun, hop, ça fait l'équivalent de 5000 euros de blé. Voilà. Donc pour info, mon cher Shogun, tu dois 5000 euros à Jacques. D'accord, donc c'est 2000 euros le la tonne. C'est 0,50 euros les 1000 tonnes. Attends, c'est 0,50 euros la tonne. Ouais, c'est ça. Donc voilà, est-ce que le prix vous convient? Oui. Moi ça me va aussi. Ok, après, d'accord. Jacques, il me passe sa facture. Donc ouais, Jacques, tu peux lui faire la facture, ça fait 5000 euros. Voilà. Donc là je peux supprimer. Hop. Et moi j'ai travaillé là ici, voilà, bim. Pendant alors on a regardé, on est à 12 minutes 41, donc 12,41. Voilà, entrée et ça fait 521,22 € pour moi. Voilà, il me doit 521 €. Putain, bah Poutine a envahi le monde entier à cette hausse de à cette hausse du blé là. Il a, ouais. Bah ça va, hein, c'est pas cher, hein, 0,50 € la tonne.
C'est les 1000 litres, quoi, en fait. Hein. 50 centimes les 1000 litres. Tu regardes. Attends, là, il faut que je revire ça. Tu regardes ici. Et je mets 10 000, c'est ça? Ouais, tu mets 10 000 litres. Là, le blé, il est à 860 euros la tonne. Hein. Non, non, tout en haut, tu changes pas ça. Tu laisses. 860 euros la tonne. Non, mais je vous découvre. Il est à 180 euros la tonne en IRL, mais là ça va très bien vu que c'est FS. Bah ouais, c'est ça, regarde, on a 800. Nous on est moins. On est à 500 en fait. On est à 500 euros la tonne. Après, à gauche, ouais, non. Si, ouais, si. On est à 500 euros la tonne. Donc on est moins, mais c'est normal, on travaille entre nous. Donc on paye moins. Déjà fait. Moins que la revente. Certes, le gars il va moins gagner que s'il revendait direct, mais derrière ça nous fait des échanges. Tu vois, on n'est pas là non plus pour pour gagner énormément, sachant que on est bon là, tu vois. Bah moi je donne. on arrête tout la transaction là. Il y a Matt, il te dit qu'il te donne 500 euros et 1 centime pour ça. Il te donne 5000 euros et 1 centime. Tu dis quoi? Est-ce que tu le vends à Matt ou est-ce que tu continues à le vendre à Shogun? Bah, pour 1 centime, on n'est pas à 1 centime près. Hein. Il dira à Matt. Ah, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Je disais que j'ai déjà payé le blé et que j'ai déjà embarqué le blé aussi. Voilà, il a déjà payé, il a déjà embarqué, il s'est déjà utilisé. Pour moi, je suis en train de calculer, Jacques. Donc moi, ça me fait 521 euros. Je vais arrondir à 520 euros. Alors moi, ça fait une facture à 520 euros, chef. Pour les heures travaillées, pour les minutes travaillées. Ok, bah fait. Je t'envoie la facture. Yes, ok. J'ai fait un petit arrondissement, hein, parce que normalement c'est 521,22, mais bon, je suis pas. Je préfère un compte rond qu'un compte à moitié plein, quoi. Ouais. 520 euros. Alors, tac, on fait nouvelle facture. Donc les fermes, on a la ferme de la Colombe qui est la ferme de Jacques. Choisir la ferme. C'est normal que je vois pas la facture. Je suis en train de la créer, mon cher. Ah ok. Donc là on a donc tous les contrats et tout, mais ça on n'utilise pas les prix là, ils sont un peu cheatés. Mais on a au moins des trucs qui nous permettent de faire là, tu vois. On a par exemple conduite, voilà. Moi je suis en conduite. Donc j'ai passé de ce fait là, on était à combien j'ai dit au niveau des minutes et tout. Il est là mon truc. Ouais, je vais vous remettre sur le côté parce que sinon je vais rien voir. Tac, tac. Ça, on baisse. Hop. Voilà, donc on est en conduite. On est à 12 minutes 41. Donc 12,41. Ouais non. Je vais mettre 1 parce que sinon ça va être chiant. 12,41 minutes travaillées. Et le prix est égal à 520 euros. Tac, voilà, 520 euros. Ajouter, bim, voilà. On envoie la facture. Voilà, votre facture est envoyée, très cher. Ils sont un peu cheatés. Qu'est-ce qui est un peu cheaté? Nous, on va travailler. Voilà. Bon, bah, je vais m'inscrire à Pôle emploi maintenant. C'est bon? Ouais, j'ai vu. Merci. Merci pour le paiement, c'était très 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 sympa de votre part d'avoir travaillé. Vous êtes un,
un bon chef. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez d'autres choses à faire. Je serai super enclin à vous dire oui. Ça va, je me suis bien vendu. Ok, petit souris, très bien vendu même. Blablabla, ça fait pareil. Ah, ça sent un jaloux. Allez, 3730 €, on est bien, on augmente un peu, voilà, c'est ça. Moi, je garde tout mon blé. Tout mon blé, j'en ai que 12 000 litres, hein, pour mes poules, justement, pour que je sois tranquille. Je vois que pour une année, ils vont consommer que 1900. Mais bon, au moins, on est tranquille, quoi. Lis jusqu'au bout, MDR. Ils sont un peu cheatés comme le shit. Ça se vaut cher, MDR. Ils sont un peu cheatés comme le shit. Ça se vaut cher. MDR. Voilà, ça devient trop complexe à cette heure-là, mon cher. Ouais, donc là maintenant on va pouvoir. Alors je vais regarder parce que moi il me faut un plat. Ah non, mon véhicule. Mon petit véhicule de courtoisie, il est à combien? Il est à 19 500. Moi il faut que j'achète absolument celui-là. Donc il faut que je vois si je peux faire encore un prêt pour atteindre les 19 000 et une palette de d'œufs recyclables. Donc voilà, moi il me faudrait cette palette là, donc à 1000 balles, donc celle-là je peux l'acheter. Bon, retourne à Pôle emploi, bande de feignasses, MDR. MDR, ouais, comme tu dis. Hop, j'achète ça, voilà, ça c'est bon. Ensuite... Je me refais un prêt, je réemprunte, donc je peux emprunter jusqu'à 250 000, là vous voyez on a déjà un prêt de 200 000 de base, j'ai pas fait le prêt de 200 000, hein. il était déjà dans la truc. Hop, je me mets en configuration, ouais, genre comme ça c'est très bien, on se met en noir, rouge, bon. Ouais, les couleurs de jantes noires aussi. Voilà la voiture. Elle coûte 22 500 et j'ai 27 000. Ça c'est bon. Hop. Voilà. Donc là j'ai ma palette d'œufs et j'ai. Ah, ça c'est le Kubota. Mon Fendt. Le Sphar. Par contre, si vous avez plus de boulot pour moi, vous pouvez me retirer la sous-traitance, mon ami. Je pense que je vais en avoir dans peu de temps. Putain, quelle bande d'abrutis, des comptables, là, t'as pas très commencé à travailler, qu'ils te foutent moins de 100 000. Moi, mon tracteur rouge qui avait la peine, bah, mon massé, quoi. Oui. Est-ce que tu peux le prendre, aller chercher, j'ai loué un broyeur de souffle, donc aller chercher au concessionnaire, ramener là où je suis en train de couper mon bois, et broyer tout simplement les souches, s'il te plaît. Ouais, d'accord, bah je rentre d'abord ranger ce que j'ai acheté, et j'arrive. Bon allez, on se dépêche, on a du boulot les amis. Ouais, les sous-sous. Fast and Furious. Vite, vite, je veux pas perdre le contrat. Ouf, il y a eu du mal le taco. Mais non, il n'y a pas eu du mal. Putain, les sous, c'est un aimant. Oui, c'est ça, mon ami, c'est un aimant. Oui. Tout.
On se dépêche. On veut gagner de l'argent. Putain, on pourrait tellement faire du rallye ici dans ces petites routes là de campagne. Cours, Jean-Bernard, ouais, je cours, vas-y, tête-chieu. Allez, Dominique. Ouais, je suis Dominique Toronto. Voilà, j'ai atteint la ferme avant le train. Pète-moi là, ouais, je vais te péter la boîte de vitesse. Hop, ouverture. Là, on largue. Tac, bim, bim, bim. On descend la cage, on la pose là. Voilà. La case est posée. Bim. Hop, on est bien. Tac. Putain, t'as fait le carter. On est reparti. Hop. C'est Batman, le gars. Ouais, I'm Batman. Hop, tac, crac. Voilà, le coup de frein à main là, le joint de culasse qui va faire mal. Ah. Il y a. Ok. Donc je prends ce tracteur là, je vais jusqu'à la ferme. Et c'est parti alors. Hop, on va remettre le temps. Hein, oh. On n'est pas Crésus, hein, mais voilà quoi. Hein, stop, hop, tac. On est reparti, les amis. Voilà. Allez, on est reparti pour travailler. Maintenant, il prend un tas de ferraille. Ouah, bah c'est bien, ça va. Se dépêche avant la levée du jour. Ouais, ou alors Massey Ferguson, mieux que Fent, ça marche aussi. C'est toutes les souches qui sont là. Ouais, c'est toutes les souches qui sont là, ouais. Toutes les souches qui sont par terre, quoi. La la la. La la la. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la.
Il y a une souche qui veut pas se barrer. Ah, ça y est. On a réussi. Il les a sucés jusqu'à la moelle, les souches, là. D'ailleurs, pourquoi le nom Fengeek? Alors, avant, j'avais une autre chaîne qui s'appelait Fenris Tib. C'était mon premier GT sur Xbox. Un GT choix de GT obligatoire parce que plus de nom de GT, tu vois. Donc, j'ai allié deux mots que je voulais. En gros, il y avait. Enfin, c'était T-Burn à l'époque. Plus Fenris. Donc, c'était ma première chaîne YouTube. Et en fait, après, bah, j'ai changé de nom, quoi. La chaîne YouTube, elle s'est fait pirater. De ce fait là, bah, j'ai dû trouver un autre nom. J'ai pas voulu récupérer mes viewers parce que justement dedans il y avait les mecs qui m'avaient piraté mon compte. Donc au final j'ai dit bah allez je recommence tout depuis le début. Et j'ai dit je vais chercher un truc. Donc tous mes potes ils me disaient putain t'es un vrai geek. J'ai dit ah ouais bah c'est vrai je suis un vrai geek et j'ai vu que Fen Geek ça allait bien donc je me suis dit allez hop. Même ça la piala Louis tu pourras broyer. Oui chef. Voilà chef. Alors est-ce qu'il y a encore Très bien merci. Il y a un petit morceau là ici, hein, c'est dans les buissons si jamais hein, tu cherches. De quoi ? Il y a un morceau là ici, là, dans les buissons. Là. Même deux, je pense. En fait, tu les caches, c'est ça? C'est quoi ce chargement là? Attends, c'est normal, il fait ça à la deux. Ouais, moi je dirais plus à. Il est en train de jouer à l'homme le plus fort du monde, acheter des bûches le plus loin possible. Chargement de malade, il casse tout le gars, ouais. est-ce que t'as encore besoin de moi ou pas? Oui, est-ce que tu peux me les emmener s'il te plaît? Et où? La Syrie. Et la Syrie, elle est où? Elle est pas loin de chez toi. Au milieu, un peu plus vers toi. Elle est, tu vois, le champ 47, le champ 38? Yes! Bah, elle est là. Donc, c'est à la Syrie même ou à Bolts Osbow? Osbow. Je sais. Les deux lieux, ils sont au même endroit de toute façon. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, go alors à la Syrie. Merci, chef. Avec ton petit Kubota là? Ouais. Oh, de Dieu. T'inquiète pas, il a de la puissance. Ouais. Non, après, si tu veux faire échange avec moi. Tchou-tchou. M'en fous, hein, le compteur 2 minutes, il augmente, hein. Moi, je m'en fous, hein. Moi bon, aussi, hein, je m'en fiche, hein. Je bois, ça va être pas, ça va bien me rapporter. On va essayer de pas se retourner. Heureusement qu'il n'y a pas la circulation. Le gars il les cache pour faire du black. Ouais c'est ça ouais. Oh putain un train à vapeur. Ah ouais c'est ça carrément.
Carrément, le train à vapeur. Là j'ai l'impression d'être la famille Pierre à Feu qui ramène un gros T-Rex pour manger, quoi, tu sais. Je suis sur la bonne route. Ouais, il faut que je prenne sur la gauche, en gros. Bientôt. Attends. On va regarder là. Alors, soit je continue là, et ouais, je peux passer par là. Hein. Là, ici, il y a l'air d'avoir une route, là, ici. Hein. Sinon, après, j'ai ça. La route qui est là, et je pense que ici après on pourra aller comme ça et faire ça. Mais on va faire d'abord par la route. Pour le coup, celui-là, c'est le gosse. C'est le gosse du T-Rex. On a 9 minutes, on va bientôt gagner encore 500 et quelques. Accident! Accident sur la RN72! Oh, yo. Voilà. Et encore, c'est un nain. Ouais, c'est un nain. Ouais. Alors là, normalement, c'est par là. Ouais, c'est ça. Bon, il faut rouler à 30. Et si je roule à 30, de toute façon, je me retourne. Donc on va rouler moins vite que 30 encore. Putain, il se retourne pour gagner des thunes. Mais non, je me retourne pas pour gagner des thunes. Y a pas une bûche qui est tombée, non? Non, ça va. D'avoir une route là pour aller vers la Syrie, ouais, ici. On va éviter de se retourner encore une fois. Je crois que c'est par là. Hein. Je vous laisse faire la vente, monseigneur. Tu t'es guetté dans le fossé parce que tu as cru qu'il y avait 500 balles, mais pas du tout, c'est juste de la terre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était. Ensuite, vous voulez faire quoi? Je vous le ramène? Oui, s'il vous plaît. Au même endroit? Oui, s'il vous plaît. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait un raccourci par là ou pas? Non, il n'y a pas l'air. Donc j'ai bien fait de prendre la route parce que c'est la route qu'il faut prendre. Quoi. Ok. On va gagner des sous, les amis. Et voilà, on a regagné 500 000 balles. Nickel.
Bah, y'a une biche qui spawn comme ça devant moi et... Ah, je fais attention maintenant dans les virages, hein. Le truc qui se retourne comme pour rire. On va éviter. Vas-y, je re dans 3 minutes. Ok, d'accord. Le petit tas du bois qui est là-haut, du coup tu me remets sur la remorque s'il te plaît, Fulzik. Ok. Le pauvre il a même pas le temps de se reposer et il arrive à peine, ça y est il a attaqué. I need money. T'inquiète pas, quand je suis encore riche, t'inquiète pas. On n'a rien compris. C'est ce que j'ai gagné, oui, certes, mais tu sais pas combien j'ai sur le compte, cher ami. Il a regardé. Et alors ? Bah moi 5230, voilà, j'ai pas peur de le dire. Oh le pauvre. Recoucou Fendi. Re-Elodie, comment tu vas ? La machine à quoi ? À chaud ? Ouais, bah oui, parce qu'il faut de l'eau. Ça va, elle a pas despawn ? Non, elle est toujours là. Il faut 60 000 litres d'eau. Bon, ça va. J'ai 10 voyages à faire, à peu près, avec ma queue. On va charger un peu l'avant. Comme un pingouin, je te l'ai dit, ça allait prendre genre 3 minutes. Ah bah c'est cool, ça va. C'est pas grand chose, ça va. Pourquoi elle parle de pingouin, on n'est pas en impoli. Je suis en mode tranquille. Ouais, c'est une expression. Comme il y en a qui diraient je suis frais comme un gardon, il y en a d'autres qui diraient je suis cool comme un pingouin. Quoi. Comme un pingouin. Un pingouin. Allez, rentre dans le trou là. Voilà. C'est ça que c'est bon, j'aime bien quand c'est carré. Hop. T'es rentré dans le trou, donc normalement tu vas pouvoir y aller jusqu'au bout. Allez. Ah non, t'as été trop loin là, saloperie.
Oh là là. Il est rentré d'un côté pour en sortir de l'autre, c'est pas grave. On va le remettre. Là. Voilà, dans le trou. Allez, là, tu passes normalement, là. Viens pas faire chier ton monde. Putain. Bon, c'est pas grave. Allez. Par au-dessus des oubliettes. Donc lui, il est petit, on va... Lui, un petit coup de lag, petit coup de lag, si vous l'avez eu aussi. Non. Mais ça, plus il y a de bois coupé, plus il y a de lag, hein. Alors là il m'a fait un gros... Hop. Ah, c'est assez drôle parce que j'ai le retour de son jeu, donc du coup j'étais... Lui, j'ai entendu me répondre, et du coup j'ai re-entendu me répondre sur le live de son jeu, c'est assez drôle. Ouais je sais, il n'y a pas besoin de grand chose pour me faire, je sais. Et puis Fengeek regarde un peu ton... Ah oh, c'est beau hein. Comme dans papa, dans maman. Non, voilà. Matt Farmer, c'est pour dire qu'il fait froid. Et puis Fengeek regarde un peu ton chat. Bordel de merde, MDR. Humour. Ouais, bah hein, zut, hein, zut et flûte et crotte de bique. Hein. Merde. Voilà, je suis concentré comme la tomate. Hein. Pour faire un beau chargement. Mais les dimensions ne sont pas bons, Kevin. Hein. Il me fait des bottes de paille, là. Parce que là, faire des petits bouts comme ça, là, ça va tenir nulle part. Hein. Sogoun, fais taire tes moutons, sinon je les fais taire, moi. Parce qu'ils en profitent qu'ils sont sur ton live pour parler. Ah, ok, d'accord. Et du coup, tu les comprends, ils disent quoi, du coup? C'est quoi, je parle pas. Ouais, je veux pas tenir là. Ah, tu vas tenir derrière. Je vais devoir nous acheter un maître, chef. Hein. Bah ce qui est très bien c'est surtout ajouter le mode justement qui permet de voir combien on les coupe. Et moi c'est un mode que j'utilise beaucoup, hein, surtout quand je fais du bois. Parce que là, putain merde, la position des bois est pas bon Kevin. Tout ça c'est bon. Matt Farmer, du calme, zut, il faut se concentrer de tomates, comme il le dit, si bien, il se recentre dans le jeu, sinon il s'en sort pas. Bonne nuit, Matt Farmer, MDR, merci, et bonne concentrée de tomates, Fengeek. Bonne nuit, mon petit Matt, bonne soirée à toi, bon courage pour toi demain, et à jeudi. Elle va être belle, ma toiture, elle va être belle. Ah, j'ai horreur que ce soit pas...
pas couper comme j'ai envie. Au lieu de faire des grandes longueurs, on fait des petits bouts là, c'est pas bon. Là. C'est des petits bouts de merde parce que derrière après on peut les caler nulle part. Ah, celui-là lui il est nickel normalement. Si je dis pas de conneries, il est nickel lui. Voilà. Lui il est bien lui. Lui il est pile poil la taille qu'il faut. Enfin, un peu moins même. Ah, faut que j'ai juste à le pousser un peu. Voilà, là. Voilà. Ah, c'est bien, là, ça nous permet de monter un peu les étages, là. Hop. Samedi, c'est bien le coin perdu que je joue avec T. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, le dit. Elle était marrante. Ouais, c'est ça, samedi c'est bien le petit coin perdu, mais je vous attends aussi pour ETS hein, les amis. Je vous attends aussi pour venir regarder ETS vendredi soir. Surtout que je débute mon entreprise. Enfin. J'ai déjà mon camion, mais j'ai créé mon entreprise sur Truckbook. Donc ça va être les premiers kilomètres de la LDLC. Vu quand il y en a plus, il y en a encore. De toute façon, au bout d'un moment, il n'y aura plus de place dans la voiture. Bah, tu as plus de place, t'emmènes et tu reviens. Oui. Après, tu peux remettre aussi dans la petite cagette de la voiture. Je sais pas, ah, ok, Fangeek, Mati, je me souviens plus. Bonsoir. Salut Riku, comment tu vas? J'ai pas entendu quoi? Après, tu peux remettre dans la petite cagette là, dans le. Ici là, dans le petit carré là. Ouais, enfin là pour l'instant, non. Bienvenue à toi Riku, merci pour l'abonnement. Merci à toi, ça fait plaisir. Bienvenue dans la meute. Là je suis en train de travailler pour Jacques Farmer là. Je lui fais un chargement de bois. Louis, j'ai besoin de sous. Dit... Oui, quoi. C'était sur ma femme, elle avait joué avec vous, c'était sur le coin perdu. C'est sur les petits coins perdus, ouais. Ouais. C'était celui de 3h41, elle demande qui avait duré. Le dernier en date, donc c'était samedi, il me semble que tu étais venu avec madame. Oui, c'était samedi. Ouais, donc samedi. Donc c'est le dernier en date normalement. C'est le dernier en date. Ok. Merci. De rien. Merci pour ton abonnement Riku, ça fait plaisir. Ah oui, tu penses que le Gator va tirer ça? Ouais, je pense rien. Riku, je suis en Pôle emploi là.
j'ai pas de taf dans ma ferme, donc je vais dans la ferme à Jacques, et puis il me dit, tu fais ça avec ça, je fais ça avec ça, moi je suis bête et discipliné. Tant que ça tient, moi ça va. Bon, après, faut faire attention dans les virages, faut pas que ça tombe. Bon, bah, je vais aller déposer ça alors. Ok. Allez, on est parti. Je vous appelle dès que j'arrive là-bas, monsieur le patron. Ouais, c'est lui le patron. Moi, je fais que bosser, c'est pour ça que t'as un minuteur en fait en bas. T'as un minuteur en bas en fait, c'est le temps que je travaille pour lui. Et après, je vais me faire payer. Grâce à un mode de facture et puis une grille que je me suis faite sur Excel avec des prix. Donc, tant que je travaille pour lui, moi, voilà, je suis payé. Là, 29 minutes à 45 euros la minute, là, on va être bien. Hein. Prends un max. Ouais, on va prendre un max. Non, c'est parce que moi j'ai tout déboursé en fait, comme j'ai tout déboursé à ma ferme. Mes champs ils sont prêts. Donc maintenant j'attends. Il faut passer le temps. Mais eux, tant qu'ils ont du boulot, on peut pas passer le temps. Alors derrière, on a mis l'option de faire des missions. Malheureusement, et pour nous bloquer un peu, on a le droit à 3 missions par mois. Donc là on est au mois d'août, j'ai fait mes 3 missions. Maintenant bah, c'est au petit bonheur à qui veut de moi, quoi, tu vois. Donc là ça va, Jacques il m'a dit j'ai du boulot pour toi, donc vas-y fais. Bon vas-y ça. Moi j'ai fait une mission de récolte pour lui. Là maintenant il me dit bah tu charges les véhicules que de bois et puis tu vas les conduire à la scierie. Ok d'accord, je fais ça chef. Pas de soucis. Moi, je suis payé 45 euros la minute. On est déjà à 30 minutes. C'est nickel. Là, on va jusqu'à la Syrie. Tranquille ou bilou. De toute façon là on arrive bientôt à la fin du live hein, donc c'est très bien que je travaille pour lui, comme ça au moins on se gagne du sou. T'as pas dit que 1000 euros le bidon de bois chargé. non j'ai pas dit ça. 45 euros c'est bien, 45 euros la minute c'est très bien payé. Tout à l'heure j'ai mis quoi, j'ai fait 12 minutes, j'ai gagné 521 euros, c'est l'équivalent d'une mission, donc sur les champs, donc c'est très bien. Là on est à 31 minutes, ouais ça va, fois 45 en fait, ça va le faire. Là, à mon avis, je pense que je vais être avec lui jusqu'à la fin du live, donc derrière c'est bon quoi, on va être bien. Il a tiré hein. Voilà. Hop. Je suis arrivé chef. C'est du beau, tu te fais employer par monsieur Gifarm Truck. Bah ouais, mais en même temps regarde, il gagne bien sa vie hein. Il gagne bien sa vie. Moi j'ai fait les dépenses, j'ai fait des investissements, après c'est sur du long terme, tu vois. Derrière lui, une fois qu'il aura taxé tous ses arbres, il n'y aura plus rien. Tiens, d'ailleurs il y a un arbre qui est tombé, hop, je sais même pas, c'est dire qu'il était entre deux sangles. On va aller le mettre là-bas, la zone de, voilà, comme ça sur le prochain chargement il pourra le vendre.
Bah là aussi. Bah, il y avait des sangles ou quoi sur le bazar là? Eh, à couper des petits bois comme ça, à pas la bonne hauteur, à la, pas la bonne longueur, après derrière ça se met entre deux sangles. Ah, j'ai bien des sangles quand je fais ça. Ah, j'avais pas sanglé, je pense. Moi aussi, j'avais sanglé. Oula, failli me retourner. Dépêche de revenir. Ouais. De toute façon, le live il s'arrête à 45, les amis, pour un check-up, un truc complet pour se dire qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc, moi, dans ma ferme, ça va être très vite. J'ai pas fait grand-chose. J'ai juste préparé mon champ et puis c'est tout. Et après, j'ai fait des missions. Voilà, derrière sur le précédent on avait fait des poules, on avait récolté un champ, après moi j'ai un champ de tournesol qui va être prêt à la récolte dans 2 mois, mais je vais le transformer en ensilage moi. Donc là en fait tout l'argent que je gagne là, c'est vraiment pour louer la machine. C'est vraiment pour louer la machine dans silage afin de faire de l'ensilage quoi. Je m'achèterai ma petite palette de bon silage que je mettrai dans le véhicule et voilà. Oh, il m'a refait un champ lui. Ah, c'est le tracteur qui est encore activé. Alors les grosses pièces, hop toi. Tu te saoules ou mon tracteur? Et on appuie sur le champignon, Fengi. Ah, je peux pas trop appuyer sur le champignon, si j'appuie sur le champignon je me retourne. Mais tu fais le vide. Oui quoi? Le moteur de mon tracteur du poulet, moi. Bah, je pense un peu à votre économie d'essence, monsieur. Normalement, à l'arrêt, c'est comme ça. Normalement. Si vous avez fait le tracteur du poulet sur le maraîcher, normalement, il n'y a pas d'essence, quoi, de monter à l'arrêt. Ouais, mais quand même. D'accord, d'accord. Voilà. Tu peux me couper des gros bouts, ce serait bien. Genre comme celui-là, là, que t'as dans les mains. Là. Du coup, ouais. Du coup, c'est le dernier chargement et la dernière livraison que tu me feras après que j'ai du boulot pour toi, cher ami. D'accord, ok. Bah là, de toute façon, après, c'est la fin du live. Hein, donc. Je pense que la création de champ, les machins là, où je suis dessus, ils s'enlèvent. Bonne question, gros. J'en ai aucune idée. Essaye de voir si en passant de la peinture, ça s'enlève. Tu fais une crêpe si tu te retournes avec le tracteur. Hein ? Ce que tu vois par terre, c'est déjà de la peinture. Le feuillage, là, tu me parles ? Non, pas le feuillage, la texture là, la terre là, que tu vois déjà, c'est déjà ce que j'ai déjà pas. Ah d'accord. Bah de toute façon tu vois là où tu passes ton broyeur là. Là tu crées déjà le champ en fait là. Avec le broyeur, cette texture là, normalement ça crée un champ.
D'accord, ok. Mais le mieux, c'est de repasser un coup de charrue avec ton truc création de champ quand même. Pour enlever les feuillages de merde, bien sûr. On va prendre celui-là, il a l'air d'être gros. Faut faire une bonne base. Si on fait une bonne base, après derrière, ça passe, crème. Hop, voilà, ça c'est la base. Celui-là, on va pouvoir le retirer. Ah, allez, là, il y a de la place là encore, hein, mon cher. Tac. Tac. Non, il veut pas. Bon, il restera comme ça. Tac, celui-là, on l'enfonce. Allez, on va prendre ensuite celui-là. Ah, j'ai oublié de couper l'arbre sur le côté. C'est pareil. On le pose là. Bim. Voilà, ensuite, là, lui, il est bien grand, lui. Lui, il va aller au milieu. Ça va être très bien. Crac, voilà. Il est pas mal. Ensuite, celui-là, on va aller le mettre par devant. Il va aller là. Voilà. Et si moi je voulais faire autre chose qu'un champ ici, du coup après d'avoir enlevé les textures, enfin la texture du feuillage, là, je pourrais le repeindre et ça sera du coup la texture que j'aurais mis. Ouais. Ok. En espérant que le feuillage s'en va. En espérant que le feuillage s'en va. Ça on n'a pas testé hein, sur cette map si on pouvait enlever le feuillage ou pas d'une forêt. Ok, pas de soucis. Après, s'il s'enlève pas, il s'enlève pas, je fais avec. Ok. C'est rien, c'est pas dramatique. Logiquement ça part. Ouais bah logiquement, mais des fois ça m'est déjà arrivé sur une map de déboiser complètement une forêt et à la fin il restait les champignons ou ce genre de truc là et que t'arrivais pas à faire partir quoi, tu vois. Donc c'est toujours la merde quand tu te dis ouais bah, je vais partir de rien, je vais m'acheter une forêt, je vais tout vendre la forêt et après je vais refaire un champ et au final tu te retrouves avec des champs avec des champignons dedans et tu peux pas enlever. Alors c'est pas beau quoi, après derrière t'es dégoûté quoi, entre guillemets. Ouais, ça dépend des maps. Bah ouais, c'est ça dépend des maps. Il y en a, ils font tout pour dire que ouais voilà, bah une fois que t'as fini de faire le champ là, tu vas pouvoir le transformer et ça c'est bien. Et d'autres, certes tu vas pouvoir le transformer, mais en fait non. Tu vas pouvoir... tu vas juste pouvoir faire ton champ et puis derrière avoir des vieilles traces de merde d'une ancienne forêt, quoi, entre guillemets. Celui-là on va le mettre là. Ouais, nickel. Ben, quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein, il va me dire. Lui, on va le mettre là, entre les deux. Là, il met... Ah non, non. Pourquoi t'es parti, toi? Tu faisais ma voûte de protection. Là. Donc, il va falloir que je mette... Ah, bah attends, on va mettre celui-là. Celui-là, c'est bien. Celui-là, il va faire tout le côté, là-bas, là, ça va être bien. Tac, ça va me permettre de... Oh, je me suis gouré de bouton. Allez, ah putain, je l'ai trop sur le côté là. Hop, voilà. Face de soi, c'est ce qu'il y a de mieux.
Allez, mon petit bonhomme, je sais que tu peux le faire. Allez, hop là. Ouais. Bof. Sangle ou deux, histoire de ça bouge pas quand même. C'est ça. Par contre, là, du coup, vu que c'est le dernier chargement, tu charges aussi, moi. Ouais. Dans 3-4 minutes, on se rejoint à la maison de transport. Ok, pas de soucis. Termine et puis c'est bon du coup ou pas? Ouais, bon, on va terminer en attendant qu'on termine. On fera en même temps les ce qu'on a fait dans la ferme durant le live. Quoi. Oh, t'étais bien, reste là. Oh, on a récupéré les trucs au magasin. T'as un sacré vide hein, quand même, à Louis. Ouais. Chargement de fou, hein. Heureusement qu'on a emporté charge lourde et qu'il fait pas ça à la grue parce que. Moi je fais ça à la grue, hein. Moi je vous préviens tout de suite, le porter charge lourde c'est seulement si je retourne à mes véhicules. Moi je suis plus du genre à utiliser une grue, à me faire chier, même pour les balles et tout. Ce sera utilisation des chargeuses à balles du jeu ou alors. À la grue, quand j'ai vraiment un truc à faire, ce sera à la grue. Ah merde, celui-là est tombé aussi. Pas dur de là, je pense que le chargement c'est. On met les sangles dès qu'on met un bout. Oh la vache. Je vais tanguer dans tous les sens, les amis, je le sens. Le truc qui tourne. Le truc qui tourne tellement qu'il y a des. Et il y a un fantôme dans le chariot. Dis-moi tout ça, il y a un fantôme. C'est l'esprit de la forêt. C'est ça. Allez, plus que deux morceaux, les amis. Après on va lui dire, on va aller là-bas pour les vendre. Mais je sens que dans le champ, je sens que durant le transport là il va se passer des trucs pas clairs. Durant le transport il va se passer des trucs pas clairs, je le sens. Force de mettre du bois là comme ça.
Voilà, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Allez, on monte dans le véhicule. On l'active. Voilà. Voilà, je l'ai semblé. Et maintenant, go. On est parti. Attendez-moi, attendez-moi, j'arrive. Ah, merde, le patron, il veut venir voir. Ouais, accroche-toi, parce qu'à mon avis, là, vu comment ça bouge derrière, ça risque de tanguer et on risque de se voler. Hein. Ça va finir sur le côté, tout ça, MDR. Ouais. J'ai bien l'impression, ouais. Putain, j'ai la pression, le patron est juste à côté, là, faut pas que je retourne la voiture. Sinon, ça va, il fait pas trop mauvais pour un mois d'août. Hein. Belle journée. Hein. Tout à fond. Non, non, regarde, rien que dans le virage là déjà. Oh putain. J'ai la goutte là. Oh putain. Oh putain, non. Non, non. Non, pas lui. Non, non. Ah. Non, 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 ça va. Là, 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 là. Allez, moi, je viens de finir les 20 minutes. Pardon ? Moi, je viens de finir les 20 minutes de ce chargement. Ah bah super hein, pour vous hein. Moi j'ai hâte de vous faire mon salaire quoi. Tout à l'heure je me suis fait 18 000 avec le chargement. Il ose me dire le prix qu'il gagne, je vais peut-être gonfler les prix, non? En tout cas, le jour j'ai besoin de vous en tant que chauffeur, je m'embauche, hein, vous êtes un très bon chauffeur, hein. Merci, merci, mais on n'est pas encore arrivé. Non, ça ira, mais c'est surtout dans le virage là, pour rentrer dans la série que j'ai un peu peur. T'achètes des trucs, Geoffrey? Ok, bah là on fait. On arrive près de la Syrie et puis on vend ça et puis on arrive. Ouais, à 10. C'est ça. Les deux que j'ai perdu en chemin. Parce que tu m'avais pas dit, mais le deuxième aller-retour, je l'ai fait sans sangler les bois. Et j'ai perdu que deux bois à la fin, là. Sur le à l'entrée, justement, de la truc. Tu sais quoi, j'ai dit 20 000. Bah écoute, moi, j'ai 10 000. Oh, c'est pas mal, ça. Salut le simulateur Vernia, bienvenue à toi, merci. Oh, c'est bon ça. Bon allez, on va à la ferme. Moi je finis, je fais la facture et puis pendant qu'on fait le récap de ce qu'on a fait. Hop. On va se TP là-bas direct. Alors c'est où déjà là ici. Hop. Ah que bonjour. Hop, allez, on arrête le chronomètre. B.
Bim, 53 minutes et 0,7 secondes. Alors, on va remettre 53 minutes et 0,7. Et ça nous fait 2228 euros. Wouhou ! Money, money, money ! Money, money ! Salut Valentin, comment tu vas ? 2228 euros. Hop, on lui fait la facture. Du coup, t'as fait la facture ou pas encore ? Je suis en train là, tu me dois 2228 euros. Ok. 22 000 là-dessus. La belle colombe, choix de la ferme, conduite. Enfin, nous, c'est plus évacuation d'arbres, on va mettre, tiens. Allez. Donc, pièce 1, texte. Chargement plus livraison. J'attends. 2228 euros. Bim, ajouter. La belle ferme, tac, tac, et on envoie la facture. Voilà la facture, elle est faite, chef. T'arrives un peu à la fin, Valentin, désolé pour toi. Merci bien, ça rembourse le véhicule, c'est magnifique. Alors, qui va où ? Est-ce que vous venez tous dans le même Discord pour qu'on entende mieux ce qui se passe ? Hop, on va couper le son. Alors, est-ce qu'ils vont venir ? Ou est-ce que c'est moi qui bouge ? Je vous ai pas entendu si vous avez répondu. Oui, oui, on avait dit. Et transfère-nous. Ok, je vous transfère. Alors, Jacques, déplacé vers... Ah bah, Jacques, il s'est déplacé tout seul. Shogun, déplacé vers... nous, on est par là-dessus, la troisième couture. Voilà, c'est fait. Ouais. Et bonsoir à vous. Bonsoir, ben bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par moi, c'est moi qui ai le moins de trucs à dire. Vas-y. Alors techniquement dans ma ferme, mis à part avoir travaillé le peu de champ, c'est lequel ? Le peu de champ 131 qui me reste, que j'ai semé en sorgho, j'ai rien fait à la ferme à part avoir acheté la vieille camionnette. Et une palette de pour avoir les œufs réutilisables. Voilà, okay. C'est tout ce que j'ai fait dans ma ferme. Après, ça a été travail pour Jacques tout le reste du live. Donc récolte du champ 73, c'était. Et après, travail du bois. Voilà. D'accord. Mais non, récolte du champ 84, excuse-moi. Et travail du bois. Bah, vas-y, Jacques, à toi. Alors, du coup, moi, j'ai fait une première vente de bennes de bois en tout premier. Du coup, voilà. Ensuite, bonne soirée à toi, Michel. Merci du soutien. Bonne nuit et à jeudi, gros. Le blé en attendant que Fendi vienne travailler pour moi. Ensuite, après, j'ai continué le bois, j'ai vendu du bois, j'ai loué tout simplement une broyeuse pour broyer des souches et j'ai loué, et là je viens de l'acheter, la remorque pour tout simplement le bois, tout simplement pour transporter le bois. Bah nickel. Du coup voilà, et puis j'ai fait que ça durant le live, voilà. Et puis t'avais fait la moisson aussi, puis un petit peu. Ah oui, la moisson, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit là. D'accord. J'attends que Fendlick vienne travailler pour moi. D'accord. Donc du coup, voilà. Et donc, moi j'ai rempli tous les réservoirs d'eau que j'avais dans la ferme. J'ai lancé ma production de salade. J'ai mis de la chaux dans mes champs, j'ai semé, j'ai plombé. J'ai mis de l'engrais,
J'ai encore un champ à faire de la chaux, mais j'en avais plus assez, donc j'ai pris le godet, comme j'en ai en vrac chez moi. Et puis, bah, j'ai nourri mes poules, et j'ai mis de l'eau aussi à mes moutons, en début de live. Et tu nous as pas dit alors le lac, il est gratuit l'eau ou pas ? Oui, je l'avais dit qu'il était gratuit. J'ai pas entendu, sérieux, moi. Je l'ai dit trois et fois. Le lac, il est gratuit. Où alors ? Ben, là, il y a un point d'eau en fait. Il est au milieu, t'en as un peu partout. Ah, c'est, c'est genre le gros truc là, à côté du champ, en dessous du champ 8 là ? Ouais, ça tu peux faire aussi, ou regarde au-dessus de ma ferme, il y en a aussi. Ah oui, ouais, mais moi je suis. Ouais, ou alors, il y en a peut-être un à côté de chez moi, je sais pas encore. Mmh. Je sais pas, je vais voir. Mais ouais, moi, le plus près, à mon avis, ça va être le gros du 8 là, à côté du champ 8, je pense. Si je veux vraiment prendre de l'eau. D'accord, moi je savais même pas que c'était de l'eau, tu vois. Donc... Bah pour moi, ouais, mais ça doit être un. À peu près, hein, il me semble. Moi j'ai cru que c'était une carrière. Moi, non, c'est un marais, un truc comme ça en fait. D'accord. Bah, je vais mettre ça en bleu, enfin je sais pas, c'est gris. Ouais. Bah... T'en es pas un entre le champ 42 et 102 ? Bah j'ai un doute, mais est-ce que c'est pas plus près, ouais. Parce que moi après. Ah, quoique, ouais, c'est vrai que. Ouais, faudrait que j'aille voir. Faudra que j'aille voir la prochaine fois. Si, je pense que ça doit être ça, vu qu'on passe devant la Syrie, je pense que ça doit être ça, ouais. Si, il me semble que c'en est. Toi, t'en as un vers ta ferme, ce goût aussi. Bah, juste à côté. Juste au-dessus, lui. Ouais. C'est juste ouais, au-dessus. Et j'ai le passage directement. Et à mon avis, tu dois en avoir un vers le 102, je pense, bah, que t'étais en train de dire, du coup. Mmh. Ouais, c'est ça. Ça, ce sera pour moi, alors, parce que moi, en fait, moi, mon chemin pour accéder à ma ferme, il passe à travers le champ 50, 51, 53, 45. C'est là que j'ai mon chemin pour rattraper la voie. Après, ah oui, c'est vrai, t'es tout en haut, toi. Bah ouais, je suis tout en haut. Après, soit je passe par la ville et je prends le petit chemin qui mène jusqu'au champ 111 et après, c'est une longue ligne droite jusqu'au bout. Ou soit, si je suis au magasin, c'est vrai que, bah, en fait, j'ai deux choix. Soit au magasin, je remonte et je passe par le 45. Et après, bah, c'est pareil, je rattrape la voie. Ou soit, je redescends et je passe par derrière la pompe à essence, en fait, pour récupérer. Enfin, je pense que je peux récupérer là-bas, je suis pas sûr même. Bah, il me semble qu'il y a un chemin là, ici, je l'avais pris moi. Ouais, juste derrière le Caspar Trotz, la station service, à côté du Ledley Glimheim, là, ouais, il y en a un des passages là, cet endroit-là. Il mène bon, vers les champs 111, 104, 106, 105. Il mène par là. À croire que c'est fait exprès, mais si on regarde bien, du coup, toi, Louis, enfin, Fendi, t'es en haut de la carte. Yes. Sogun au milieu et moi tout en bas. Bah ouais, c'est pas fait exprès, mais ouais, c'est comme ça. Ouais. Donc voilà. Voili, voilou. Bon, ben, en tout cas, mais merci d'avoir regardé ce live. Bah oui, merci à vous tous. Bah ouais, voilà. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous. Et puis, ben, on se retrouve la prochaine fois. Jeudi. Donc, jeudi. Jeudi, si tout va bien. De toute façon, si jeudi je suis pas là, les amis, vous livez quand même. Ouais, c'est ce que j'avais pensé. Voilà, de toute façon. Donc, c'est le live, malgré qu'il manque une personne ou deux, vous faites les lives aujourd'hui. Hein. Même si on n'est pas là, le serveur il sera disponible, etc. Ouais, ça sera mis en route par mes. Faut juste qu'en fait, que quand il manque des personnes, on peut passer maximum un mois, pas plus. Mm. Et toujours pareil, trois missions par mois. Je vous fais confiance pour dire de pas tricher et de faire plus de missions ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ouais. Voilà quoi. Après, de toute façon, moi, je pense que le prochain live, on passera le temps. Bah là, ouais. On va arriver sur les coups de 18h. Ouais, je pense que le mieux, ce sera de passer le temps. Ouais, en effet. Mm. Moi j'ai encore un peu de chaud à mettre dans un champ et puis après ça sera. Et ouais, moi j'ai dû aussi emprunter un peu aussi. Donc je suis passé de 200 000 à 217 000 de prêt. D'accord. Sachant qu'on est on est au maximum à 250 000. On peut pas emprunter plus que 250 000. Bah oui, ouais, c'est bah, ce moi que j'ai 200 000 hein, d'emprunt. Ouais, bah on avait tous commencé avec 200 000 d'emprunt. Tous. Chaque ferme avait 200 000 d'emprunt. Donc, c'est quand tu commences à en partir de rien, t'as déjà 200 000 d'emprunt. C'est ça que je comprends pas, mais bon. Donc voilà. Mais t'as 1 500 000. Non, t'avais 500 000. De quoi ? Quand tu commences à en partir de rien, t'as 500 000. Non, on avait 250 000, là. Moi, j'ai rien remboursé du tout, moi.
Non, non, mais je parle en argent sur son compte. On on avait 1 500 000 en emprunt et 500 000. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Mais c'est moi qui ai rajouté les 1 million. Ouais, ouais, on s'est rajouté 1 million parce que voilà, on avait les bâtiments et tout à acheter, quoi. Enfin, pas toi, mais ouais. T'as payé plus cher ta ferme aussi. Ouais, je pense, voilà. Je n'ai pas regardé. Donc voilà, les amis. Bon, ben, j'ai envie de vous dire à jeudi. Et puis, ben, ouais, jeudi. Bonne soirée. Et puis, ben, moi aussi. À jeudi. Bonne soirée à tous. À jeudi. Merci d'avoir regardé. Salut à tous. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Bon, les amis, c'est tout pour ce soir. Hein, comme vous le savez, on se dit donc à jeudi. Merci d'avoir participé au live, d'être aussi actif et tout. Ça me fait réellement plaisir. Nous, on se retrouve donc jeudi. Demain, il n'y a pas de live comme d'habitude. Vous regardez juste à aller dans le Discord et regarder dans le planning. Vous avez les plannings qui sont affichés. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et à jeudi. Ciao, bye bye.